Nous sommes ici en Belgique, sur le site de Borkloon, la maison mère. Nous avons deux sites, en Allemagne et en Belgique. Nous sommes une société qui fabrique du béton préfabriqué depuis plus de 30 ans. Nous sommes spécialisés dans toutes les pièces préfa, tant pour les agricoles que pour les sociétés travaux publics, BTP, etc., ou travaux routiers et ferroviaires. Notre plus grande force de la société, c'est sa qualité béton. Nous travaillons en qualité C5567. C'est un béton haut de gamme, c'est un des meilleurs bétons du marché, ce qui permet une meilleure résistance aux acides, par exemple, et une meilleure teneur aussi des charges. Nous avons beaucoup de gammes, dont deux nouvelles à partir de cette année. Nous avons un élément pour le silo agricole, qui est très innovant. C'est un élément qui peut supporter de très grandes charges, qui peuvent dépasser les 15 à 16 tonnes essieux, donc des machines de 30 à 35 tonnes au-dessus de l'élément. C'est un élément dit en A, dans le sens où cet élément a une force, a une forme inclinée, ce qui permet une meilleure répartition des pressions et également moins de pertes au niveau des produits. Nous avons également un nouveau produit dans le secteur BTP, dans le secteur travaux publics, qui s'appelle le Vébion. C'est un élément qui allie élément en aile et élément gabion ensemble, d'où le nom Vébion. Ça permet d'allier un très bon soutènement sans pour autant devoir mettre une cage gabion qui fait parfois 1 à 1,50 m de large. Ici, on peut habiller tout simplement en aile et avoir une épaisseur de maximum, je veux dire, 25 cm à 30 cm avec le L et le Vébion accroché. Et nous avons également un type de pierre qui s'appelle la pierre Vulcapor, qui permet d'absorber jusqu'à 99% du son. Plusieurs tests ont été faits en laboratoire, etc. Donc on travaille avec évidemment les aéroports, les voies ferroviaires, les autoroutes, à savoir qu'on peut habiller l'élément en aile comme on le souhaite avec le tri Vébion. Et on peut également mettre une finition à l'intérieur du L en béton, à savoir que le Vébion vient compléter une gamme de finitions du L de chez VB Béton. Et cette gamme, c'est 5 finitions différentes. Donc vous avez la finition brossée, vous avez la finition lisse de décoffrage, vous avez la finition silex, comme on dit en Belgique, mais en France c'est plutôt le béton désactivé. Nous avons cette finition en beige et en bleu. Et nous avons également une finition matricée qui est plutôt sur demande et on travaille avec certains partenaires pour des différents types de matrices. Et notre objectif aussi dans les 2 à 3 années à venir, en sachant qu'on développe déjà 14 pays européens, est évidemment de trouver dans ces 14 pays différents distributeurs pour promouvoir nos produits par certaines sociétés locales, ce qui est plus simple et aussi parfois plus sécurisant pour le client du pays.